transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021, vu la loi L 2018-025-1 du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 001 du 5 septembre 2021 du CNRD portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-008-PRG-CNRD du 6 octobre 2021 portant nomination d'un Premier ministre chef de gouvernement, vu le décret D 2021-0036-PRG-CNRD du 21 octobre 2021 portant nomination du ministre de l'Environnement et du Développement durable, décrète. Article 1er, conformément aux dispositions des articles 53 et 54, titre 7 du décret D 2011 numéro 295-PRG-SGG portant statut particulier du corps paramilitaire des conservateurs de la nature, 427 éléments dont les prénoms et noms seront affichés au ministère de l'Environnement sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Article 2. Les régimes des pensions sont fixés par le Code des pensions de la retraite et d'invalidité conformément aux dispositions du statut général des fonctionnaires en République de Guinée. Article 3. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, le ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application correcte de ce décret qui prend effet à compter de sa date de signature. Conakry, 23 novembre 2021, colonel Mamadi Doumbouya, président de la République.